Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle rencontre sur FC24 pour un nouveau match de Ligue 1. Cette fois-ci, c'est le déplacement à Brest qui est, je crois, l'avant-dernière journée de compétition avant la fin de cette moitié de saison. Je crois qu'il ne restera que le déplacement à Reims derrière, je crois que je n'ai pas oublié l'équipe. Il y aura entre les deux le déplacement à Porto, hein, le dernier match de phase de groupe de Ligue des Champions, évidemment, pour valider définitivement, même si c'est déjà le cas de qualification en phase d'élimination directe, mais au moins pour faire le carton plein. On a battu sur la petite marge Manchester City à domicile, hein. C'est vrai qu'on a mis plus de buts à l'extérieur qu'à domicile. Un match plus compliqué au retour, même si c'était dans notre stade. Donc il va falloir valider face à Porto à l'extérieur. Comme d'habitude, j'ai hâte de connaître mon adversaire en 8ème. Ok, merci Laure, et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Ça veut garder le ballon dans les pieds. C'est une bonne chose. Voici la composition de l'Olympique Lyonnais. Allez, une paire de balles ici. Allez, Kier qui va pouvoir avancer. Colomuani. Là, on a une passe possible. Attention, hors jeu. Lukaku qui va pouvoir servir Colomuani. Et malheureusement, la frappe va sortir. L'équipe locale, c'est l'attaque la moins efficace. Alors quand elle rencontre la meilleure défense, là forcément, on est un peu inquiet pour le spectacle. Mais ce n'est pas une fatalité. L'équipe locale, la Borel, l'effet des surprises. Personne ne s'attend à les voir partir à l'attaque. Enfin, si on est réaliste... Justement, soyons réalistes. Demandons l'impossible. Le centre, évidemment, en direction de ses partenaires. L'intervention du gardien sur ce centre... Et pour Lyon, la dernière avec... Revenez au jeu, regardez! Rashford! Ah oui, quelle intervention! Et le ballon qui est mis hors de danger! Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné! La frappe pour le but, peut-être! Rashford avec ce ballon! Ah, le pressing est haut, attention à ne pas perdre le ballon à cet endroit! Ah, le ballon est perdu. Sinchenko. Oh oui, la frappe. Elle a frappé contrée. Sans problème. Oh, là, ça, ils tiennent bon. Ah, c'est pas bien lancé, ça. Ballon pour Marcus Rashford. Oh, punaise! Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Ah, il mérite clairement de se prendre un but là. Ils y échappent de pas grand chose à chaque fois. Bonne intervention, la passe est interceptée. Quelle précision là sur ce contrôle et ce geste. Ah, excellente couverture de balle pour résister à la pression. Brassier. La mi-temps qui est donc sifflée à l'instant et l'équipe qui reçoit. Renouvellement des vestiaires, l'Olympique Lyonnais lance cette demi-temps. Attention parce que là il y a un but qui vient d'être marqué. Ouais. Et c'est dans le match. Paris Saint-Germain. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but en faveur de Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Iglesias, il le doit à son jeu de tête. Ça fait donc un but partout, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Merci Laure, et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Pierre Lukaku, et ce ballon également rendu à l'adversaire. Olé, belle technique là. Oh, mais c'est pas possible, un aimant en les cages ou quoi? Plusieurs fois que ça tape le poteau. Ils peuvent s'estimer vraiment chanceux, là, hein, clairement. Et après, nous aurons un rendez-vous de Ligue 1. De justesse dans mes finitions. Deux équipes très intéressantes. Pour tous les amateurs de football, ça nous promet un match vivant, effervescent même.
sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. L'arbitre là applique la règle de l'avantage, il y a faute, mais il laisse jouer. Et oui, le tir. Oh, l'intervention du gardien. Voilà, le remplacement intervient. Sacre ambiance avec le public qui vibre avant ce corner. Première occasion de mener depuis longtemps. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Et bien fait, attention, occasion. Oh, vite repris, pas de soutien. Et oui, le tir. Putain! Allez, mettez-en au moins un là, les mecs. Ce corner. Oh, le sauvetage. Ah, ça veut quoi? Sur sa ligne. Oh, la frappe au but. Ah là, cette fois c'est bon. Goal. Suffit. Hein. Un but important, peut-être pour la victoire des Euros. Il reste du temps. La fin de match va être passionnante. Oui, parce que jusqu'à présent, les défenses avaient été les grandes protagonistes de cette rencontre. Ce qui est important, c'est pas de gagner, c'est de faire perdre l'adversaire. Un super couverture de balle en attendant l'arrivée de ses partenaires. Madi Camara, grosse pression, ballon perdu. Il faut bien négocier ce ballon. Et but, c'est au fond, un nouveau but qui terrasse l'adversaire. Domination totale, quel beau match. Et avec ce but d'intrigue, ça fait en 2-0. Colomboigny. Et voilà une bonne récupération là. Le ballon pour Lewandowski. C'est repoussé par le gardien, oui. Là, le corner bien tiré. Aucun signe là pour la défense. Ballon dégagé. Colomboigny à la réception. Colomboigny, la transversale. J'ai vraiment fait un parcours qui a un aimant dans ses câbles. Un peu d'oxygène c'est maintenant. Pourquoi ça fait avec des rebonds pareils? Ça peut pas juste rentrer simplement. Bon espace à utiliser sur le flanc de la défense. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Avec interception ça, et le ballon à l'extérieur. C'est pas grave, hein. Au final, on va quand même l'emporter, heureusement. Sinon, ça va être trop injuste. L'adversaire qui peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris le plus, hein, parce qu'il aurait largement pu, largement dû, j'ai même envie de vous dire. Mais on a remporté le match 2-0, donc c'est déjà ça. Il restera un match de Ligue 1. Mais avant, le dernier match de phase de groupe de Ligue des Champions, c'était annoncé. Contre le FC Porto, du coup, à l'extérieur. On va voir comment ça va se passer. Comme ça, ce serait bien d'avoir le carton plein en Ligue des Champions. Et on connaîtra notre adversaire pour la phase à élimination directe, le 8e de finale de Ligue des Champions. Tant attendu et que j'attends beaucoup aussi. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette rencontre et on se retrouve très prochainement pour la suite. À très bientôt!